arrivé? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez lâché votre job respectif? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous en êtes arrivé là et en partant de vous? Alors, Studio Brouillon, c'est un studio de création interactive. On travaille aussi avec des artistes d'art numérique pour travailler sur l'aspect technique surtout, pour développer en gros leurs projets. Et on travaille également avec des entreprises, notamment dans l'événementiel, pour les aider à se promouvoir auprès de leur public. Avec Olivier, on a fait une formation qui est assez similaire, lui en traitement du signal, moi plutôt en informatique générale. On avait tous les deux cette volonté-là d'aller dans le milieu artistique et d'aller exploiter la technologie plutôt au service de l'art. J'ai commencé par faire de l'électronique avant de prendre la tangente et partir en art du spectacle, pour le cinéma, puis pour le théâtre et la performance. Donc je fais des spectacles électroniques et de plus en plus informatiques. Voilà, c'est des outils, c'est des instruments, il faut apprendre à jouer, il faut apprendre à parler, parce qu'il faut apprendre à coder pour parler avec ces machines. Ça se place toujours entre les deux, sur la confrontation entre le vivant et le numérique, et la place de l'humain aujourd'hui dans la société numérique, parce qu'on vit un boom technologique incroyable, dans une révolution de société. La technologie, c'est évidemment au service du propos artistique. Il faut que les deux soient liés, en fait. Il faut vraiment que l'un justifie l'autre. De découvrir une technologie peut germer une idée, en fait, dans la tête de l'artiste et se dire « Ah, mais cet objet, cet outil, je peux faire ça avec, je peux le détourner pour en faire quelque chose. » Il y a un côté où ça apporte des idées et un côté où ça permet de résoudre aussi des idées qu'on avait avant et qu'on n'était pas capable de réaliser. Et cette passerelle des interprètes avec un milieu qui est à cheval souvent entre la performance, l'art contemporain, qu'une structure se fasse un petit peu le messager ou le pont entre ces univers-là, ouais, c'est quasiment indispensable pour pas qu'on se soit complètement largué sur des outils qui sont partout dans notre vie et qui devraient aussi être dans nos créations.